Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. Et même avec un tout petit peu de retard aujourd'hui, mais en tout cas, la formule ne change pas puisqu'on va toujours voir les dernières infos dans le monde du dev et ça depuis hier. Et en termes de sommaire, on verra que Google abandonne le scroll infini sur la recherche et donc on se demandera si ce paradigme est si bon que ça. Toujours chez Google, on parlera de la possible date de sortie d'Android 15 et je reviendrai aussi sur le procès avec Epic Games. Donc vous voyez, beaucoup de Google, mais il n'y aura pas que ça, rassurez-vous, et j'aurai aussi d'autres sujets forcément et aussi les actus en bref. Donc comme d'hab, on va dire que j'emballe tout ça dans un beau paquet cadeau et qu'on va ouvrir juste après le générique. On commence par une info où quand j'ai ouvert le site de Reuters, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que nous fait Reddit? Et donc si on lit le titre, Reddit mettrait à jour un standard du web pour bloquer le scraping. Et dans le corps de l'article, le journaliste nous répète exactement la même chose, sauf que, par définition, un standard, c'est pas une entreprise qui le définit. C'est plutôt un consortium où tout le monde s'est mis autour de la table et on a discuté. Mais du coup, on a le fin mot en allant sur le site de Reddit où on voit qu'ils vont modifier le robot.txt et qui, lui, est bien issu d'un standard. Donc le journaliste de Reuters a fait un gros raccourci, mais bon, je vais quand même pas trop le blâmer non plus parce que moi hier j'ai aussi dit une bêtise avec Windows 10. En tout cas, il n'y a rien de très particulier à lire là-dedans, Reddit va un peu plus restreindre les règles dans le robot.txt, et pour ceux avec des user agents incorrects, comme avec Perplexity et Yai, eh bien, ils vont le bloquer à la main, donc en gros, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Je continue et je vous préviens, c'est un tunnel d'infos autour de Google. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ils sortent leur nouveau téléphone à la rentrée, généralement entre septembre et octobre, mais hier, ils ont communiqué sur le fait que leur événement il serait plutôt en plein milieu du mois d'août. Mais surtout, et quand même, rassurez-vous, dans le trailer, il y aura quand même de l'IA. Et bon, à la limite, peu importe, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment le hardware qui nous intéresse. En revanche, à chaque fois que des pixels sortent, et généralement à cette période de l'année, c'est toujours synonyme de nouvelles versions d'Android. Et si on regarde la timeline d'Android 15, bien ça pourrait correspondre. Donc potentiellement, Android 15 pourrait sortir à ce moment-là, donc à la mi-août, et finalement pas la jouer en frontal avec iOS 18, qui lui est généralement plutôt en septembre, et donc on verra ça. Et je poursuis toujours chez Google, et en fin d'année dernière, ils ont été reconnus coupables dans le procès avec Epic Games, contrairement à Apple, où c'est plutôt l'inverse. Et sans vous refaire l'histoire, c'est principalement parce que passé un temps, Google a payé des éditeurs pour qu'ils soient pas tentés d'aller en dehors du Google Play, alors qu'en vrai, il n'y a pas non plus énormément de concurrence. Mais bref, peu importe, et depuis le début de l'année, encore faut-il savoir quelles sanctions infliger à Google. Et là-dessus, Epic Games a un peu fait sa liste en mode Père Noël, aussi un peu en mode bisounours, avec quand même des choses plus ou moins réalisables. Mais le juge les a pris au pied de la lettre et a donc demandé à Google d'en chiffrer le coût. Et parmi ces mesures, il y a le fait de rendre le Google Play une sorte de plateforme, on va dire, transparente. En gros, le Google Play, il permettrait non seulement de télécharger des stores tiers, mais ces stores tiers, ils pourraient avoir accès à l'intégralité des applis du Google Play, tout le catalogue, et aussi les proposer à la place. Donc si je vous le dis autrement, on pourrait imaginer l'Epic Game Store qui proposerait à la fois le contenu d'Epic, mais aussi tout le Google Play. Donc vous voyez que certains critiquent le DMA, mais en vrai ici, ça irait beaucoup plus loin. Et donc imaginons que Google soit obligé de mettre tout ça en place, le chiffrage donnerait entre 61 et 137 millions de dollars. Et plus précisément, il y aurait entre 27 et 67 millions pour donner accès au contenu du Google Play au store tiers. Ensuite, entre 1 et 2 millions de dollars pour permettre de transférer les applis des utilisateurs du Google Play vers les stores tiers. Et enfin, entre 32 et 67 millions pour permettre aux stores tiers d'être hébergés, d'être disponibles sur Google Play. Et là, autant ces chiffres peuvent paraître élevés, autant un tout petit peu de contexte, ça aide à faire la comparaison. Et en 2021, le Google Play aurait généré 12 milliards de dollars de bénéfices et pas de chiffre d'affaires. Donc là, les quelques millions, presque, on va dire, c'est une goutte d'eau. Mais bien sûr, Google est contre, et pour plusieurs raisons. Déjà avec les problèmes de distribution, parce qu'au niveau international, bien forcément, chaque pays a ses propres régulations. On a aussi la pub, mais surtout, un bon argument, ce serait qu'un store tiers peut donc héberger les apps du Google Play, mais on pourrait aussi imaginer qu'une app légitime, elle sera remplacée par un malware. Donc bref, voilà, attention, parce que là, c'est juste qu'un chiffrage que je viens de vous raconter, et donc voilà, c'est qu'un début. La prochaine étape, elle est prévue le 14 août où Epic et Google vont se rencontrer pour potentiellement faire un truc à l'amiable. Et enfin, le juge décidera, donc vous voyez, on en a encore pour quelques mois. Mais en vrai, là, tout ce que je viens de vous raconter, presque ça sert à rien. Parce qu'en fait, Google a déjà fait appel et en gros, bah, tout ça va repartir de zéro. On enchaîne cette fois-ci avec non pas une mise au cimetière, mais plutôt une mise en pause temporaire. Et il s'agit des Material Web Components.
En gros, si vous connaissez pas, Google propose son design system qui s'appelle Material, et pour faciliter les choses, il y a des implémentations toutes faites pour Android, Flutter et le web. Et pour la version web, tout semblait bien aller, avec une sortie au mois d'octobre de l'année dernière, et il y avait même une roadmap pour 2024, sauf qu'une grande partie ne verra jamais le jour. Mais là où Google est relativement fourbe, c'est qu'en ouvrant leur GitHub, il n'y a absolument rien, rien sur le README par exemple. Par contre, en allant dans la partie discussion, on a bien la confirmation que le projet est passé en mode maintenance. Donc ça veut dire que plus aucun support officiel de la part de Google ne sera donné, et ça même si les chiffres sont bons, avec par exemple 200 000 téléchargements par mois sur NPM. Mais malgré tout, Google insiste bien sur le mode maintenance, et qu'en aucun cas le projet ne va disparaître, parce que eux aimeraient que la communauté le reprenne. Et du côté de Google, cet abandon vient du fait qu'il y a eu une réaffectation des ressources vers le projet qui s'appelle Wiz. En gros, c'est un framework interne, et donc probablement que les licenciements sont un peu derrière aussi. Et enfin, dernier sujet autour de Google, parce que ça fait quand même le quatrième, et par l'intermédiaire du site Search Engine Land, on apprend que le scroll infini sur la recherche a été supprimé sur la version desktop, et pour le mobile, ce sera le cas, mais uniquement dans quelques mois. Et avant de voir plus précisément les raisons de Google, si ce paradigme est utilisé, c'est donc pour éviter, vous savez, d'appuyer sur les boutons précédents et suivants. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, et notamment le fait de jamais pouvoir atteindre le footer, aussi des problèmes de SEO, et aussi en termes d'accessibilité. Et ici, les raisons évoquées par Google sont qu'en enlevant la fonction, les résultats seront fournis plus rapidement. En gros, vu que les résultats ne sont pas calculés pour rien, parce qu'en gros, les utilisateurs les voient pas, bah forcément, pour les autres, ça ira plus vite. Et autre point, côté Google, ce changement de paradigme, ça n'a pas fait augmenter le taux de satisfaction. Alors, est-ce qu'entre les lignes, il a stagné, il a baissé? Bon, en vrai, ils le diront jamais. Et bref, en tout cas, le scroll infini a disparu sur le desktop, et ce sera aussi bientôt le cas sur le mobile. Et si je voulais aussi vous parler de ce sujet, c'est que finalement, on utilise un peu ce paradigme à tort et à travers. Et parmi les autres critiques, il y a le fait qu'on se perde dans un peu du contenu infini. Et malgré tout, Google avait proposé une solution assez originale, et ça c'était dans la page Shopping, où on avait une pagination intégrée dans le scroll infini, mais a priori, ça aussi, les résultats n'ont pas été assez bons. Donc finalement, rideau chez Google pour cette fonctionnalité, ce paradigme, et donc à voir quelles conséquences ça pourrait avoir sur les sites et même les applications, et si éventuellement vous voulez les utiliser, bien voilà, surtout n'hésitez pas à dire si vous allez continuer ou si alors vous allez abandonner. D'ailleurs, je continue avec un sujet qui s'enchaîne bien pour une fois, et vu que le scroll infini, c'est pas particulièrement optimisé pour l'accessibilité, je suis justement tombé sur du nouveau contenu sur l'accessibilité sur le site du W3C. Vous voyez, je m'améliore un peu au niveau de transition. En tout cas, ils ont publié des personas qui en fait permettent de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a un problème d'accessibilité, et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que finalement, arriver à trouver des testeurs et qui rassemblent tous les problèmes à la fois, bah c'est forcément quasi impossible. Or, avec ces personas, ça permet de mieux comprendre et finalement de penser son produit avec tous les cas de figure. Et d'ailleurs même, petite cerise sur le gâteau, mais il y a des contributeurs qui l'ont traduit en français. Donc bien évidemment, si ça vous intéresse, eh bien vous le savez, c'est dans la description. Et je termine ces actus avec des infos que j'aurais dû évoquer hier. Déjà, iPadOS doit être soumis au Digital Markets Act à la rentrée en plus d'iOS, et finalement, le plus simple pour Apple, c'est de rendre iPadOS 18 compatible d'entrée de jeu, et c'est justement ce qui est disponible depuis la bêta 2. Et pour info, j'ai aussi regardé les guidelines et ils disent désormais iOS ou iPadOS, donc ça veut dire que les mêmes règles s'appliquent, y compris, vous savez, celles qui sont en attente là, des corrections par rapport à l'illégalité que j'ai dit hier. Et autre chose, autour du DMA, Apple a enlevé plein de fonctionnalités en Europe, et notamment le fait de pouvoir faire du mirroring de son iPhone vers son Mac, mais MacG a testé la dernière bêta donc sur macOS, et ça se contourne aussi facilement que d'avoir un compte Apple en dehors de l'UE. Donc à voir si ça continuera, mais au cas où, ça se contourne relativement facilement. Et donc voilà, c'était tout pour les actus, on va dire normales, en cas présentées, et maintenant, je vous propose des actus, mais en bref. Hier, la Commission européenne a listé un certain nombre de griefs à Microsoft pour abus de position dominante sur l'intégration de Teams dans Office et Microsoft 365, et selon la suite des événements, une amende de 10% du chiffre d'affaires annuel mondial pourrait lui être infligée. Et sur un autre sujet, Microsoft veut à tout prix que les utilisateurs de Windows utilisent des comptes Microsoft, et la dernière en date est la suppression de l'aide qui permettait a posteriori de basculer vers un compte local. Du côté d'OpenAI ensuite, les différents services ainsi que les API ne seront plus accessibles en Chine continentale et à Hong Kong à partir du 9 juillet, et ça fait suite aux restrictions américaines avec la Chine. On continue avec un investissement de 5 milliards de dollars du groupe Volkswagen vers le constructeur Rivian. L'idée est de créer une co-entreprise spécialisée dans les logiciels automobiles et relever la tête avec la filiale CARIAD qui a bien du mal.
Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles, puisque suite au rachat de BeReal par Vodou, la direction a organisé une réunion mardi en informant d'un plan de licenciement. Et autre sujet à polémique, le fondateur de Telegram a indiqué que seulement une trentaine d'ingénieurs travaillaient sur la plateforme, ce qui soulève des inquiétudes sur la sécurité, d'autant que par défaut les conversations ne sont pas chiffrées. Et on termine avec une bien meilleure nouvelle, puisque le centre aquatique utilisé pour les JO de Paris utilisera le réseau de chaleur de la ville et qui est notamment alimenté par un tout nouveau data center d'Equinix. Voilà, c'est maintenant bien la fin de cet épisode, avec, je l'avoue, beaucoup de Google, mais bon, c'est pas moi qui fais l'actu non plus. Pour info, je suis en train de travailler sur deux interviews, donc selon quand elles se termineront, peut-être que demain je ferai juste un short. Et d'ailleurs, petit rappel, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde, mais l'idée des shorts, c'est en gros que je vous en propose plutôt que rien du tout, donc c'est pas du tout là pour remplacer. Donc finalement, je sais pas vraiment à quand je vous dis à demain, mais bon, voilà. En tout cas, pour sûr, profitez bien de votre mercredi.